Donc, toujours dans le cadre du film Pessabou de Bosco, que nous connaissons tous, le leader dans le monde de l'infographiste multimédia, quelqu'un qui a étudié, qui a un niveau suprême comme on a toujours dit, qu'on salue en passant parce que c'est un grand reporter. J'étais vraiment très, très connu. On m'appelait, on m'avait surnommé le nom de plus petit. Ceux qui connaissent bien le plus petit depuis Brazzaville, c'est toujours le brodard, donc je ne vais pas me cacher. Et à partir de 14 ans, c'est là où il y a eu le fléau. Il y a nos grands à nous qui faisaient la ça dans le quartier. Il y a eu le grand Edmond qu'on appelait P12. Il y a le grand Fat, le Neva Isidore Nouvouba, qui nous a donné, que je salue vraiment en passant. Et il y a eu des Mazounou Lelalé, hommage toujours à Grand Bendé de Nicolas, le respect. Il y a eu, de l'autre côté, il y a eu nos grands qu'on appelait Monseigneur, il est toujours en vie. Il y a eu les grands amateurs, ça c'est maintenant le haut niveau. Le grand amateur, ouais, parce qu'il faut que je commence par le plus bas au plus haut. Il faut que je commence par l'ordre des croissants. Ils sont nombreux, donc moi, en les regardant et en faisant leur truc, la SAP et tout ça, j'étais vraiment très content. Vu que j'étais déjà artiste, donc je les regardais. Mais en le regardant, comme on dit, ça donne envie de le faire. Ça donne envie, moi je me dis, une fois qu'un jour, moi aussi, il faut que je puisse être comme ces grands-là. Non, mais moi ce que je comprends pas dans votre histoire, moi ce qui me marque en fait, ce que j'aimerais savoir, vous êtes sapeur ou bien vous êtes sapeur? Parce que c'est la question que je me pose. Les gens ne cessent de parler de vous. Les gens ne cessent de me demander, mais qui est ce monsieur? Est-ce que... Si, moi j'ai bien compris votre exposé, ce que vous avez dit. Donc si je comprends bien, il y a longtemps que vous êtes dans ce milieu, il y a longtemps que vous vous êtes fait connu, il y a longtemps que les gens vous connaissent. Mais moi ce que j'aimerais savoir ce soir, est-ce que vous êtes sapeur ou vous êtes sapelob? Moi je suis pas sapeur ni sapolo. Moi c'est un playboy parce qu'un sapeur c'est comme tout autre. Quelqu'un, il y a des gens qui s'habillent, ils vont dans un magasin, ils ont des moyens pour s'acheter des vêtements. Ils peuvent s'habiller tous les jours. Ça c'est ce qu'on appelle un sapeur parce que bon, c'est le mot, voilà, sape. Parce qu'il est en train de s'habiller, il est tout le temps propre. Il y a des sapolos. C'est un nouveau fléau, c'est les petits jeunes, moi je vais dire ça, c'est les petits jeunes qui ont connu la SAP ici en France. Et il y en a d'autres qui ont connu la SAP à Brazzaville, mais sauf que nous, moi personnellement, moi je les appellerai pas les sapologues. Parce que c'est les playboys qui ont commencé depuis longtemps à Brazzaville, puis en arrivant en France avec les DVD qu'on fait. Et on les appelle les sapologues, mais c'est pas les sapologues. Les sapologues, c'est des petits, moi je vais dire, des petits jeunes qui ont vécu ici, on les appelle les wesh, ou des gens qui veulent le sapologue. Ouais, des gens qui sont nés ici, se disent, ah ouais, les tontons, ils s'habillent. Ah, laisse-moi aussi, je veux m'acheter un costume à République, un costume que j'ai vu là-bas à Kenzo. Moi aussi, je vais m'acheter ce costume-là pour aller affronter soit le tonton Brodard ou le tonton je sais pas qui. Mais ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est eux. La majorité quand tu le vois, ces jeunes-là, les sapologues-là, dans leur sap, ils mettent, par exemple, moi je vais être clair, un costume, comme certaines personnes l'ont déjà dit, c'est-à-dire un Dakar, là-bas c'est noir, le costume que tu as eu c'est noir, là-bas c'est bleu, tu prends la veste de... Le costume bleu pour mettre un... Non, ça ne se fait pas. Demi Dakar, il faut que ça soit blazer. On a un blazer au-dessus. Au moins, ils savent que les boutons sont dorés ou sont en argent. C'est-à-dire, les cracks, tu le vois, du jour au jour, il a toujours sa chaussure au pied. Il ne porte pas des baskets. Parce qu'un crack, il ne peut pas porter des baskets. Un crack, tu ne le verras jamais avec un ensemble jean ou un pantalon jean. Un crack, tu le verras tout le temps dans des tenues, pas costume, pas spécialement costume. Hein. Il est toujours soit dans des tenues difficiles. Sauf qu'un playboy, tu peux t'habiller en jean, tu mets un petit comme moi j'ai fait, et le lendemain, un dimanche, tu es en survêt,
effectivement, souvent les playboys, survêtent. Comment dirais-je, c'est des échelons. C'est des échelons qu'on appelle ça. Un crack, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de crack. Tu verras qu'il y a des playboys, qu'il y a des playboys. C'est comme moi. Moi, je suis un playboy. Comme mes amis que j'ai fait la SAP, quand on a fait la SAP, autant de le Balcon Bleu, autant de Moutoko, autant de Carrefour, de Anissé Marquesa. Ça, c'est des playboys. Ça, c'est des playboys. Ça, c'est comme des Serge Tachini. Ça, c'est des playboys. C'est comme des, je dirais, comme des Guy Hassan. Oh, bref, moi, je vais être franc avec vous. J'ai visualisé les images de Brazza, ça va faire à peine peut-être 2 mois. J'ai vu un de nos frères, un confrère, qui est parti à Brazza dans le nord de Paris, qu'on connaît tous, qui a fait la une de Brazza. Il y en a d'autres qui ont apprécié, bon, ça a été toujours comme ça, il y en a d'autres aussi qui se disent que c'était du n'importe quoi. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ce monsieur, aujourd'hui, fait la une de Brazza, par rapport à vous, qu'est-ce que vous trouvez de négatif? Qu'est-ce que vous trouvez que non, c'est pas ça la SAP chez lui? Moi personnellement, après moi ça sera mon point de vue. Et mon point de vue, ça sera pas, je ne serai pas, je pense, que le seul à le voir. Les gens, ils nous voient. Ils nous regardent dans les DVD. Mais ils savent que ça c'est le bordard, ça c'est X, ça c'est Y. Et ça, c'est Y prime. En regardant des images, moi, je ne les ai pas vues. Moi, je les ai vues parce que j'ai les chez moi. J'ai visualisé toutes les images quand il arrive à Brazza. Il y a eu un petit mouvement au sein du marché Total. Bref, j'ai visualisé les images. J'ai un ami qui me les a envoyées par le net, que j'ai regardé. Effectivement, il y a eu tant de choses. Bon, bref, hein, ça, c'est sa vie. Mais moi, ce que j'aimerais que vous puissiez me dire, vous, autant que Playboy, qu'est-ce que vous trouvez de négatif sur ce monsieur qui ne reflète pas l'image d'un sapologue ou d'un playboy ou d'un sapeur? Que vous trouvez que non, c'est pas ça. Il n'est pas dans un, on n'est pas dans un même monde avec lui. Le problème qui se passe au début quand ils viennent s'introduire dans cette société des ambulanceurs et des personnes élégantes, oui. Comme on le dit, ils affichent pas que je suis musicien, ils viennent pas, ils se cachent. Ils disent pas que non, moi je suis pour moi musicien, ils font la musique. Non. Ils passent d'abord par la SAP parce qu'ils n'ont jamais fait la SAP. C'était jamais des playboys, on les avait jamais vus sur le terrain à Brazzaville. Moi j'ai pas. Je suis pas du genre mec, jaloux, je sais pas, non. Parce que déjà c'est pas. On n'est pas pareil. On ne pourra jamais être au même niveau. Non, le point négatif déjà, quand je vois l'habillement, parce que déjà, tu vois, c'est vrai, faut dire les choses comme elles sont. Quand tu mets un gilet en cuir ou un gilet en dents, tu ne mets pas une chemise viscose. Tu ne mets pas une chemise légère sous ton gilet. Tu dois mettre soit chemise en kaki, comme on dit, nous on a l'habitude de dire ça, chemise en toile si tu veux, chemise en jean, ou tu mets une chemise en dents, comme moi j'ai fait. Si tu mets un gilet en cuir, c'est-à-dire, je vais te montrer parce que les gens ils confondent c'est la sapologie et la musique. Parce que Papa Wemba, il est musicien, chanteur. Il chante. Et ses chansons, c'est les playboys et les cracks qui apprécient sa musique. Qui danse sa musique. Qui danse, qui. Voilà. Moi, c'est une chemise en dents que j'ai mise. Et même derrière, c'est pas pour m'inventer. Derrière, c'est ça. Si vous me permettez, mes chers, c'est ouvert. Donc, le problème qui se passe, quand ils viennent, ils s'habillent, toujours la manière de s'habiller, quand tu vois que le mec il est en train de dire je suis un playboy, et par rapport à son habillement, c'est pas ça.
l'habillement que le jeune, que vous m'avez parlé tout de suite là, il s'habille dans des tenues que les musiciens utilisent sur le podium. Sur scène. C'est des tenues, sur scène. Ça, ce n'est pas les tenues que nous, les playboys, qu'on peut porter. Bon. Peut-être dans sa manière à lui, que ses frères ou ses parents lui ont appris à s'habiller. Je le dis tout le temps, c'est pas ça. Bon, merci. C'est vraiment, je voulais bien avoir ton avis. Bon, Monsieur Broda, moi je suis très content. Donc, c'est toujours dans le cadre de notre DVD, de notre film Pessago qui va sortir d'ici là. Donc, on est toujours dans le côté des questions, surtout pour avoir vos impressions, ce que vous en pensez. Mais je vais être franc avec vous. J'ai quelques noms que je veux vous donner, que je veux pouvoir vous dire. Et j'aimerais que vous puissiez me donner votre avis, que ce soit négatif ou positif. Ça, ça dépend de vous parce que c'est votre avis et nos spectateurs, les téléspectateurs, ils ont besoin de votre avis parce que c'est un grand nom, Broda. Moi, c'est la première fois que je vous vois, hein. Mais on m'a toujours parlé de vous par rapport à votre sagesse, votre façon de voir les choses. Donc, je dois être franc avec vous. Mais j'ai quelques noms à vous donner et que vous me donnez vos impressions, ce que vous en pensez. Si je vous dis Alure Miela, c'est un sapeur, c'est quelqu'un qui s'habille bien, est-ce qu'il a, bref. Alure Miela, ça vous dit quoi? Oui, Alure Miela, c'est un grand qu'on a fréquenté ensemble. On a fait un peu de la folie ensemble, une petite partie en France. Alure Miela, c'est un crack. Oui. Alure Miela, c'est pas un playboy, mais c'est un crack. C'est-à-dire un crack, c'est, quand je te parle des cracks, c'est comme des grands que j'ai cités, les amateurs qu'on est là, les... puis certains d'autres, j'ai pas envie de citer tout le monde, quoi. Donc Alure Miela, c'est un grand. Quand tu vois Alure Miela, je ne serai pas là pour tout juste pour parler du mal de ce grand-là. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut être comme Alfred de Musset. Il était là toujours pour éclaircir les choses. D'accord. Oui. Alure Miela, il a porté une certaine, comment dirais-je, il a porté beaucoup de choses à la jeunesse congolaise. À la jeunesse congolaise, oui. Même s'il n'est pas diplomate, mais avec le peu, Alure Miela, il a donné les envies, elle a donné le goût, comme dans Pessago, c'est-à-dire il a donné le goût à certaines personne de personne pouvoir, de pouvoir réaliser, un projet et à certaines personnes que aujourd'hui qu'on entend X, Y, machin que vous connaissez bien, c'est grâce à Alure Miela. Mais moi personnellement, Alure Miela, Alure Miela, il a fait la guerre de la sape. C'était le producteur de la guerre de la sape. Moi je l'ai connu avant la guerre de la sape. Donc vous vous connaissez il y a longtemps. Oui, mais sans se côtoyer. D'accord. On se disait bonjour, comme ça fait des années que je suis en France. Mais Alure Miela, il avait son milieu à lui. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez Alure Miela, il fait le mixage. Donc, toujours dans le cadre du film Pessago de Bosco, que nous connaissons tous, le leader dans le monde de l'infographiste multimédia. Quelqu'un qui a étudié, qui a un niveau suprême, comme on a toujours dit, qu'on salue en passant parce que c'est un grand reporter. Et je veux vous dire, si je vous dis plutôt Fiesta Macabo, qu'est-ce que vous en pensez? Fiesta Macabo, c'est pareil. Quand tu vois Alure Miela, ils ont à peu près dans les... Ils sont, c'est dans le même système. Fiesta Macabo, c'est un grand... Il y a des chanteurs, non seulement parce qu'il y a des chanteurs qui l'ont lancé Fiesta Macabo, comme jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui le font, qui font de la sapologie, ils vont chez un musicien, l'ossier, mais bon, bref, excusez-moi de parler un peu de Lungala. On met en dédicace le nom, ton nom dans, chez un musicien. Fiesta Macabo, c'est un crack. C'est des grands, ils ont donné leur vie, ils ont donné le goût du tissu. Et au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes ou certains jeunes qui les indexent. Ça, c'est obligé, comme on le dit. On voit toujours celui qui est plus fort. On peut indexer que celui qui est plus fort. Si tu n'es pas fort, on ne peut pas t'indexer. Ah, d'accord.
C'est comme ça. Bon, merci Broda. Mais moi, j'ai un autre nom que je veux vous donner. Par contre, le nom que, parce que j'ai remarqué, je vous ai posé, je vous ai dit Fiesta Macambo, Alure Miela. Moi, je vais vous dire un nom. Par contre, ce que je veux qu'on puisse savoir de vous, vous nous parlez du côté négatif de cette personne que vous connaissez très bien. Je ne sais pas s'il faut dire, s'il faut vous demander si ça va être une devinette ou pas. Si je vous dis, je reprécise, si je vous dis le nom de Fulgioni, mais moi je ne veux pas que vous me parlez des avantages, non il est comme ça, il est comme ça. J'aimerais que vous puissiez me dégager le côté négatif de ce monsieur que vous fréquentez, que vous êtes des amis, vous connaissez longtemps. Mmh. Fulgioni, qu'est-ce que vous en pensez de lui? Du côté négatif, moi j'ai pas envie que vous puissiez nous parler des avantages. Parce que c'est une question que les internautes nous ont envoyée. Mmh. Donc là on est toujours en direct du DVD Pessabou. Donc on est connecté, nous avons un blog sur Facebook que les internautes nous envoient des questions. Donc moi c'est une question que j'ai trouvé très intéressante. Donc je profite à cette occasion de pouvoir vous poser cette question. Qu'est-ce que vous en pensez de Fulgioni, d'Alizioni, du côté négatif de lui, ce que vous trouvez qui n'est pas bon de son côté? Bon, de côté négatif de Fulgioni déjà c'est un frère que je salue aussi en passant. Fulgioni, il a un côté négatif parce que il écoute plus le Rodel Broda. Mais en passant, je vous tiens quand même à vous dire déjà, parce que la guerre de la SAF commence maintenant, c'est une question piège que je vous ai posée, donc toujours dans le système de Pessabou, qui est un grand document qui va pouvoir apparaître d'ici là dans Facebook, YouTube. Donc moi je vous prends à défi et je vous dis déjà que les images que nous sommes en train de prendre là, on va pas, il n'y aura pas de censure, donc c'est toute l'interview qui va pouvoir passer. Donc je tiens quand même à vous dire aussi, il y aura un retour dont vous devez vous préparer. Donc dites-nous ce que vous pensez de Fulgioni de son côté négatif. Du côté négatif de Fulgioni, il n'écoute plus le brodard, l'as de trèfle. Fulgioni, c'est un frère. C'est pas parce qu'il y a un frère que je veux lui laisser dans des bêtises ou dans des conneries. Fulgioni, il peut te parler, mais il va te donner des conseils, sauf que lui, il ne va pas les appliquer. Les appliquer. Tu pourras lui donner les conseils, lui, il va t'écouter, mais il va pas les appliquer. En parlant côté habillement, moi je dirais Fulgioni, en s'habillant en costume, c'était pas son style. Fulgioni, ça c'est pas son style. Fulgioni, son style, c'est ce style-là que moi je fais. Parce que Fulgioni, quand il s'habille en costume, en quelque sorte, parce que il fréquente maintenant bon, certaines personnes qui font un tout petit peu la politique. Donc il est obligé de s'habiller en costume pour peut-être pour avoir, je sais pas, pour les approcher ou pour bien voir son image. Mais Fulgioni, son vrai style, c'est comme on appelle le gentleman. D'accord. Donc merci pour la réponse. Pour me dire entre Fulgioni et Fefe, vous me dites si c'est Fulgioni. Moi je note. Si c'est Fefe, je note. Non, en vrai. Voilà. En vrai, pour ne pas aller loin, pour ne pas mélanger des choses. En vrai, entre Fefe et Fulgioni. Fulgioni s'habille mieux que Fefe. Bon d'accord. Donc Fulgioni s'habille mieux. Moi je suis d'accord, donc c'est pour dire que vous appréciez Fulgioni. Mais moi je vous dis que c'est... Mais c'est pas pour dire que, excusez-moi, c'est pas pour dire que j'aime pas Fefe ou parce que... Non, ça c'est la personne. Oui, c'est pas pour faire que, pour dire que oui, parce que Brodard, il est souvent avec Fulgioni ou dans les fêtes, ils sont plus avec Fulgioni qu'avec Fefe. Non, Fefe, c'est un frère à moi. On est souvent aussi ensemble, mais quand tu prends, quand tu fais les statistiques des DVD, parce que moi je fais toujours les statistiques. Voilà, je fais les DVD, oui, je regarde.
qui a la corde. Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive de regarder certains DVD, de voir X, Y, est-ce que lui il est bien habillé ou pas. Donc, j'ai fait les statistiques. De mes statistiques à moi, ça m'a donné que Fusioni est mieux côté habillé que Fusioni. D'accord, j'ai compris. Et que Fefe, excuse-moi. Que Fefe plutôt, oui. Merci. À quand votre retour à Brazzaville? Moi, mon retour à Brazzaville, je compte aller en août 2014. Non, là, tu parles au conditionnel, t'es pas sûr. Non, parce si, bon. Mais t'as peur parce qu'il y a d'autres sapeurs qui vont aller. Dis-nous, franchement. Moi, si j'y vais. Voilà, est-ce que tu vas aller en août? En août 2014, d'accord, moi je suis à l'aéroport. D'accord. Donc le 14, en août 2014, tu es à Brazza. Oui. Sûr. Ça c'est d'accord. Sûr et certain, mais mes fans, ils vont voir que non, je leur avais déjà dit que non, le brodard, dans un truc de mon frère Cyril Mafuta, Séverin Mafuta, j'avais dit que je vais en août prochain 2014, le brodard sera à Brazzaville. Moi, si j'étais posé cette question, parce que j'ai eu des sources sûres. Quand je dis sûr, c'est sûr. Il y a des gens qui m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, il n'ira jamais. Parce que déjà, en fait, tu devrais aller avant Norbert de Paris, qui est notre frère. Tu devrais aller avant Norbert. Mais comme Norbert est parti, c'est Nombre qui te donne le peu d'avis que tu as. Ça, c'est les informations que j'ai. Je ne dis pas que moi, je ne confirme pas, mais c'est les informations que j'ai. Que peut-être que tu pourras nous prouver aujourd'hui que ce n'est pas vrai. C'est Nombre qui te donne les avis, mais malheureusement, le pauvre, il est parti il n'y a pas très longtemps. Donc, toi, il n'y a pas moyen. Peut-être que tu vas partir dans 5 ans. C'est pour cela que je t'ai demandé, est-ce que c'est quand ton retour à Brazzaville? Est-ce que c'est cela ou pas? Est-ce que moi, quand tu regardes les DVD des sapologues, comme on dit, de sapologie, qui peut avoir les habits que moi je porte, moi le brodard. Moi, mes habits que je porte, c'est rester dans les normes, comme on dit, dans des valeurs absolues. Moi, mais dans mes habits, c'est des valeurs absolues. Je ne dépasse pas, je suis dans les normes.